Salut à tous, c'est Samix, 14h, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Et aujourd'hui, c'est un moment très spécial, parce qu'aujourd'hui, on va acheter un nouveau véhicule. Ce véhicule, c'est un véhicule qui va peut-être révolutionner le jeu, certainement. Comme cette nouvelle moto volante, enfin bref, je vous explique même pas. On va aller directement sur Warstock, et on va acheter cette nouvelle scramjet. Donc la scramjet, elle fait 4 millions. Si vous faites du coup, si vous gagnez à peu près, je crois, 12 parties de l'activité avec la scramjet, vous l'aurez à 3 480 000. Donc c'est parti, on l'achète, on est chaud et on la met dans Eclipse Tower. C'est parti, on l'a acheté, on n'a plus que 8 millions. C'est, oh mon dieu, c'est la catastrophe. Enfin bref, donc c'est parti, là on y va, on va rejoindre du coup notre petite maison. Elle est où, elle est où, elle est où, elle est là-bas. Alors Pony, je voulais juste vérifier quelque chose, les gens. Ce que je me disais bien. Donc là, on attend que Rockstar, Rockstar, c'est le mécano et tout ça, enfin Lester, tout ça, c'est Rockstar. J'ai en attend. Que Rockstar nous envoie un message comme quoi notre véhicule est bien arrivé. Et sur le coup, du coup, nous allons appeler en même temps l'Avenger. Donc c'est parti, boum boum. Donc notre Avenger, il est déjà là. Maintenant nous attendons. Voilà, c'est parti les gens, on peut booster, boum, et on est arrivé. Regardez les gens, aujourd'hui c'est un moment très spécial parce que on va avoir pour une fois la scramjet, le véhicule qu'on parlait tout le temps. Donc c'est le véhicule qui fait donc qui saute et qui booste en même temps. Et regardez, on pourra placer des mitrailleuses et puis des missiles. Ça va être un jeu d'enfant les amis. Ça va être un jeu d'enfant. Donc sur le coup, cette voiture mérite un petit like et surtout de vous abonner sur la chaîne. Donc regardez, elle saute. Donc on fera un test, à la, sur l'autoroute ou sur, enfin bref, vous m'avez compris quoi. Boum, on rentre et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la customiser. C'est parti, on la custom, donc blindage à fond, frein à fond, moteur à fond. Éclairage à fond, moteur, support néon à fond, la couleur on verra juste après, motif on verra après, ça c'est bon, peinture on verra après, donc si on la revend, on la revend à 2 millions, transmission à fond, turbo à fond, roue, je crois qu'on va laisser les jantes d'origine. Bah là l'épreuve c'est déjà. Ouais, je crois que je mettrai juste les pneus, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire du coup maintenant? Donc une couleur, on va mettre une couleur. Faut mettre une couleur. Une couleur qui va. Donc déjà on va regarder un peu les motifs pour nous donner un petit
si. Bon, ça c'est simple. Ça peut être bien, ça. Pour mettre un petit. Bah, vous savez, quand on a de l'argent en tente, on va mettre une couleur. Merde. On va mettre une couleur. Non. Une couleur en mat. Ça fait Batman, ça. En rouge. Ah, en rouge, ça fait style. En vert aussi. On s'en fout. On va retourner dans motif pour voir s'il n'y a pas des motifs un peu plus stylés, un peu plus beaux. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ça aussi, ça peut donner un petit style. Même ça, regardez. Les petites flammes comme ça, là. Ou alors le R de GTA. Non, je rigole. Rage impuissante. Ok. Ah, ça aussi, c'est beau. C'est quoi ça? Rage de l'espace. Bah, les gens, vous savez quoi? Je crois qu'on va mettre cette voiture comme la salle. Hein. Il n'y a pas d'autre idée. Il n'y a pas d'autre idée. Non, il n'y en a pas. Les néons. Donc, tac, couleur, on mettra du bleu électrique, du bleu vert. Lumière noire, crew. Vert lime, vert menthe. On va mettre du bleu électrique sur le coup, parce que j'en ai jamais mis. Et pour les roues, bah écoutez, soit on les change, mais du coup, ça fait dégueulasse. Faut mettre des roues tout terrain normalement. Alors moi les gens, je vous explique pourquoi je mets des roues tout terrain, parce que à Noël, enfin au DLC Noël, quand il va arriver, ça va glisser hyper fort. Du coup, je préfère m'organiser maintenant. Même que training, ça fait style aussi, hein. Non, voilà, on va mettre cela. Et puis on va mettre une couleur. Une couleur bleu. Ouais, bleu. Bleu fluo. Ouais, on va mettre du bleu vif. Parce que ça, après, ça fait trop foncé. Custom. À l'épreuve des balles, c'est déjà. Et on va mettre une fumée. Donc, vous pensez une fumée bleue, jaune, mauve. Pourquoi pas une fumée rose, tiens? Marron, rouge, vert. Mauve. Bleu. Allez, on met une couleur bleue. Tout ça c'est mis, tout ça c'est mis. Le véhicule ici, on le revend, il fait 2 millions. Ben, on va pas le revendre, on s'en fout. Et ensuite, les gens, on sort du véhicule pour faire un peu le tour. Du coup. Est-ce qu'il y a les missiles? Je vois pas si les missiles.
Donc on rentre dans le véhicule. Je vais essayer de voir si on peut le custom. Non, il n'y a pas de missile, hein. Il m'a l'air de pas avoir de missile. Non. Sortir de l'Avenger. Bon, les gens, regardez ce qu'on va faire. Déjà, on va sortir. Il fera peut-être jour. On renvoie l'Avenger et on se... Alors, comment avoir les missiles? Ah voilà, c'est bon. Donc, mitrailleuse. Elle fait quand même mal. Ah ouais, elle fait mal, hein. Elle fait mal. Et puis, on va tester du coup. Attendez. On va tester du coup les missiles parce qu'il y a les flics. Ouais. Et là, tu peux... N'oublie pas, au fait. Je suis en vidéo, je te dis. Donc, on saute, on tire. C'est bien cité, ouais. C'est bien cité. On va se diriger du coup vers l'aéroport. Ouais, vers l'aéroport. C'est trop bien. J'ai l'impression d'avoir une runner 2000 transformée, une runner 2000 transformée avec en boost un peu. Ah oui. Alors le boost, j'ai remarqué, il tient plus longtemps qu'une qu'une Batmobile du coup, ce qui est plutôt cool. Alors là, j'ai pas envie d'atterrir dans la mer, boum. Ah ouais, c'est cheaté, c'est vraiment cheaté. Bien sûr, les missiles, on les voit pas du tout. Ok, en fait, ils sont à l'intérieur. Bon, c'est parti, nous allons du côté. Salut les flics, allez. Vous me rejoignez ou pas là? Vous flippez? Allez. Donc je crois que je vais commencer à accepter des activités sur cette magnifique voiture que je kiffe maintenant, actuellement, puisque j'ai l'impression d'avoir une runner 2000 qui tire des missiles et une Batmobile transformée en runner 2000. Donc franchement, c'est énorme, hein. Donc tenez, regardez là, par exemple, exemple, si vous voulez passer par là. Ah bah merde, c'est fermé. On saute. Et par là, c'est... pas pareil. Faut prendre de l'élan. Alors attendez, j'ai pas vu la fumée du coup bleu. Bon, je la verrai après. Et là on booste. Elle est vraiment fantastique, cette voiture. Bon, on va tester du coup. Voilà. Ils sont où les flics là? Ils sont là. Allez, bande de cons là. Alors, tu viens ou pas? Eh ouais, mon gars. Pardon, monsieur. Ça, c'est marrant quand il y a des joueurs qui veulent vous placer des bombes coulantes. Vous sautez, vous boostez, vous vous barrez très loin. Donc la vitesse, on va voir avec donc du coup sans le boost. Peut-être j'irai tout à l'heure, on ira ensemble dans cette vidéo à la base militaire. Donc c'est parti, sans le boost. Du coup on va monter à... Donc je peux pas trop voir. Mais avec le boost,
Ouais, on est à 180, 190. Bon, bah écoutez. C'est parti. Ah, ils sont surtités, c'est. Les véhicules de Rockstar, je sais pas qu'est-ce qu'ils nous font actuellement, mais ils sont ouf, hein. Ah, pas assez d'élan. Putain, maintenant quand tu voudras esquiver des flics, ce sera la meilleure méthode. Mon gars. Surtout pour faire des braquages et tout, mon gars, t'imagines même pas. Eh les gens, vous imaginez même pas, mais comment le truc, ils l'ont amélioré, quoi. Je sens que je vais rester bloqué. Eh ben non. Ah mais c'est vraiment ouf, hein. Oh, donc du coup les gens, ben, là c'est un gros pouce bleu pour cette magnifique Batmobile transformée. Enfin, on a mis en fait dans ce véhicule, on a mis un peu de Runner 2000, un peu de Batmobile, et du coup ça nous a fait une magnifique. Attendez, comment elle s'appelle? La Scramjet. Ah ouais, elle scrame bien elle. Putain. Donc, je vais mettre un petit point pour la petite base militaire de notre petite famille Sissi. Ah ouais. Le barrage de merde là. C'est quoi ça? Ils sont sérieux les flics? Donc nous allons vite fait aller voir à la base militaire. Aïe. Et ça passe toujours avec moi. Oh le stunt! Donc nous allons aller à la petite base militaire de la petite famille Sissi. Donc c'est vraiment dommage en fait qu'il n'y a pas de klaxon sur ce véhicule parce que ça aurait été marrant. Vous imaginez même pas. Donc là franchement, c'est pas qu'elle tient pas la route, mais là je crois que j'ai des véhicules, j'ai des roues un peu trop. Niveau tête à queue. Je crois que je mettrai les grosses roues là de tout terrain. Putain, c'est magnifique. Allez, stunt! Eh ben non. Pour une fois que j'ai pas stunt. Moi, bon, pour une fois que les véhicules de flics sont pas rapides, ça fait plaisir. Bon, sûrement à Noël, je changerai les roues, hein, c'est sûr. Hein. Je vais pas les laisser comme ça, les roues. Je changerai les roues en fait pour la neige, tout ça, sur tous mes véhicules. Hein. Bon, j'avais 12 millions, j'ai 8 millions, c'est pas grave, hein, je les rattrape en 2 secondes les 12. Du coup, on se retrouve vite à la base militaire, donc surtout n'oubliez pas vraiment de l'acheter un max de pouces bleus pour ce véhicule là, parce que c'est un véhicule d'enfer. Je crois qu'il va révolutionner GTA. Même je crois que ça va devenir GTA 6 alors. Surtout les jantes que j'ai mis là. Magnifique jante. Et j'aime bien son devant, ça fait vraiment Gaichens. Vous voyez, c'est en plus si les flics ils mettent des têtes à queue. Allez, c'est parti les gens. Oh, dans la base militaire. C'est parti, c'est parti.
ici. Bon, déjà on va tirer un petit missile pour nous dire qu'on est là. Normalement j'ai pas 4 étoiles là. Attendez. Voilà. Là on va s'amuser. Hey hey, y'a les tanks. Ah ouais. En 2 secondes, brah. Je voulais sauter, j'ai pas sauté. Pourquoi? Aucune idée. Bon, on va la reprendre et on va retourner du coup à la base militaire. La scramjet, du coup, okay. Ben voilà, j'espère que vous êtes très content de voir la scramjet enfin customisée. Voilà, je suis vraiment en fait trop content, les gens, comme vous pouvez le voir. Alors attendez, j'essaie d'appeler en fait la scramjet véhicule. Le véhicule spécial. C'est quoi ça, pseudo custom? Me dis pas que c'est la scramjet qui s'appelle comme ça. Ah non. C'est pas ça du tout. Du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc véhicule. Non mais comment on fait pour envoyer le véhicule? Non, on peut pas la renvoyer. Ok, d'accord. C'est pas grave, je vais appeler un véhicule, tranquille. Je vais appeler la scramjet. Donc les gens, alors mettez un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Pour me faire plaisir, pardon. Mettez un petit commentaire pour me faire plaisir. Mettez un petit like, un magnifique pouce bleu. Attendez. Ça fait un bout. Voilà, mettez un magnifique pouce bleu pour cette magnifique customisation avec scramjet. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour avoir plus de customisation de véhicules et de présentations et tout ça. Enfin bref, vous m'avez compris, tout le blabla quoi. Donc là, regardez, la scramjet, elle est là. Elle est magnifique. Regardez-moi ces magnifiques jantes là. Là du coup on a une étoile. Voilà. J'ai enfin... Donc le boost, il reprend un peu plus rapidement que prévu parce que j'étais dans une activité et le boost, il était hyper lent. Surpuissant les missiles. Putain, j'essaie d'aller du côté. Alors, est-ce que ça prend les deux dalles? Oui, ça les prend parfaitement.
Ah ouais, il m'éclate quand même hein, si je booste pas. Bon, c'est pas grave les gens, de toute façon, c'est un magnifique test de ce véhicule surcité, si vous pouvez le savoir. Donc attendez, j'appelle vite mécano. Donc bien sûr, j'ai customisé le véhicule comme la salle. Parce que en fait le motif est hyper joli, surtout j'ai pensé pour le DLC Noël, tout ça, ça va être magnifique. N'oubliez pas de lâcher encore une fois un pouce bleu, de lâcher un commentaire et aussi de vous abonner, ça me fera le plus grand plaisir. En plus c'est gratuit de vous abonner, hein, vous lâchez rien du tout. Vous activez la cloche de notification pour suivre mes vidéos customisation et un peu le contexte que je fais sur GTA. Les nouveautés que j'achète, tout ça. Et surtout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!